Ici Alexandre Lessard pour une vidéo cette fois sur Crimson Alliance. Donc j'avais commencé une partie. Donc c'est beau, je continue. Continue. Donc c'est un bash em up ou head them up. On les bat tous. Un peu comme Diablo 3. Mais fait pour Xbox 360 uniquement. Donc c'est un jeu Microsoft. Mais. Donc, c'est ça. On frappe des monstres, on bat des lutins, puis des petits lutins, puis des gobelins. C'est ça en fait. Donc, je sais pas pourquoi. Il me remet au même niveau que j'ai fait l'autre fois. Donc, c'est ça. Ça semble vraiment, vraiment énormément à Diablo. Donc, on casse les boîtes. On range les couteaux. Puis, on va des gobelins. Donc, c'est un peu plate parce que j'avais fait ce niveau-là. C'est ça. Je pense que c'est uniquement disponible sur Xbox parce que c'est les studios de Microsoft qui ont fait le jeu. Donc, tout le monde sait bien que Microsoft et Xbox font partie de la même compagnie, celle de Microsoft. Donc c'est ça. Alors c'est parti. Donc ce qu'on a à faire, c'est se promener puis tuer les. En appuyant sur le bouton d'attaque ou le couteau pour faire mourir les gobelins. Parce que là, les gobelins puis les lutins, je suis pas sûr, ça ressemble à être la même affaire. Je pense que lutin c'est en français, puis gobelin c'est en anglais, ou sinon c'est gobelin. Parfait B. Je suis un parfait B. Ça c'était drôle. Donc tout ce que c'est ça. Donc des balles. Ça ressemble à Diablo ou ben quand tu appelles un clin plus jeune. Donc le jeu est quand même assez bien fait. Peut-être pas autant que Diablo 3. Mais quand même très semblable. Ça. Je dirais qu'il y a moins d'histoire dans ce jeu-là. L'histoire comme en banane. Parce que Diablo 3, elle se passe tout dans le jeu comme ça. C'est ça que je trouve écœurant dans Diablo 3. Puis on est tout le temps dans l'action parce que le jeu, la manière que Diablo 3 est fait, il n'y a pas de. Il y a des scènes, oui, après les chapitres en anime. Mais on est pas mal tout le temps dans le dialogue, en train de lire les textes. Donc, c'est le Diablo 3 surtout. Parce que le 1 était bien, puis il faisait une bonne introduction au style. Le 2 est encore mieux que le 1. Puis le 3 était juste trop malade. Surtout avec l'expansion. Si vous pouvez, vous êtes capable d'avoir soit une PS4 ou une Xbox One, je vous recommande fortement le jeu de Diablo avec l'expansion. Donc, c'est ça. Donc là, je monte mon or. J'essaie d'attraper un nouveau niveau. Ce qui est le fun de celui-là, c'est qu'il joue à 4. Ouais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, puis c'est la première fois que vous me voyez sur ma chaîne, c'est là, je fais des vidéos de jeu. Je fais aussi des vidéos de shuffle. Parce que oui, j'ai essayé de faire du shuffle. Puis je me suis amélioré, je crois. Donc cet été c'est sûr, au printemps, mais qu'il fasse assez chaud et assez beau, je vais faire des vidéos de shuffle. Donc voilà. Je suis très heureux de vous montrer ce jeu Crimson Alliance pour Xbox 360. Donc là, je vais faire un récapitulatif sur Diablo 1. Ce que j'ai aimé de Diablo 1, c'est que. Vraiment, c'est un jeu pour l'ordi, mais on peut jouer au PlayStation. Puis j'ai joué beaucoup avec un de mes amis qui s'appelait Brian. Puis d'ailleurs,
fais celui-là en passant. Donc, ça pour dire, c'est les jeux comme qui ont marqué la révolution. Là, quand le PlayStation 1 est arrivé, Diablo, paf, on jouait à ça. On a tout le temps loué parce que ça vaut l'acheter. Puis on a vraiment torché le jeu. Comme ils disent à ça, j'ai torché le jeu. Donc ça, c'est. Ce jeu-là, c'est un jeu que j'ai trouvé comme il était gratuit sur le Xbox Live Market. Puis c'était pas un démo. C'était vraiment un jeu complet, gratuit. Sans que ce soit le jeu du mois, on peut l'avoir en tout temps comme ça dans la sur le Xbox Live. Même si on n'a pas Gold, je pense qu'on peut se le procurer. Donc mais sérieusement, Xbox 360 avec Xbox Live Gold, ça vaut la peine. Parce que t'as beaucoup de bons jeux gratuits. Je pense qu'on a deux par mois des jeux gratuits. Puis c'est tout le temps des bons jeux, comme Tekken 6, je l'ai eu gratuit. Lego Star Wars, original trilogie, je l'ai eu gratuit. C'est des gros jeux, c'est des classiques, c'est des hits. J'ai aussi eu Fable Heroes. Donc, si vous voulez voir des vidéos de ces jeux-là, faites juste me le commenter. Hey Alex, gros, s'il te plaît, fais un jeu, mettons, de Lego Star Wars. Ben, ok, je vais le faire. Puis je vais mettre la vidéo en ligne, puis vous allez voir comme que sur 360, oui, c'est une vieille console, oui, c'est comme le PS3 était peut-être plus puissant, on sait pas, mais je trouve que la 360, encore aujourd'hui, elle vaut l'achat. Tous les jeux sont sortis, ils font des nouveaux jeux. Franchement, vous êtes morts, dernier point de passage. Donc, c'est ça. Donc là, je vais essayer de finir un niveau parce que je peux juste faire des vidéos de 20 minutes avec mon système. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de finir un niveau. Donc c'est ça. En plus, il y a encore des séries actuelles, là, comme sur le marché Microsoft. On peut avoir les films de Tomb Raider, la télésérie, si je veux dire. Tomb Raider, c'est vraiment plein de bonnes choses à se procurer, puis à visionner. Là, comme moi, j'écoute pas souvent des films, mais j'aimerais voir la série de Tomb Raider, en savoir un peu plus sur l'histoire du personnage de Lara Croft, tout ça. Fait que c'est ça. Puis je pense que je vais renommer ma chaîne YouTube. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je vais appeler ça le gamer discret ou le joueur discret Alex Lamassoir. Ah, ça peut être drôle. Le gamer discret ou le joueur discret. For those who don't speak French, I can also speak in English, but I'm not quite very well trained. I don't practice my English too often, so yeah, maybe I got an accent. I'm sorry for that because I'm French, a Quebecer, Canadien français. Donc maybe I can try to speak in English more often in my videos. So maybe the other people who just speak English, sorry, who cannot start understanding, and sorry, I restart, understand me well. Maybe if I talk in English. So yeah, that's pretty much it. I guess that's complete the... My speaking in English is very, very... quite not... perfect. I'm not perfect, so I'm just a human. But I try to... make my things better each time. Okay,
C'est ça. Donc, ce que je viens de dire, c'est je parle pas beaucoup anglais. J'essaie de me pratiquer plus souvent pour faire des vidéos comme un peu plus bilingue. Peut-être si je pratiquerais comme ça dans mes vidéos, je pourrais parler plus souvent anglais avec les gens qui parlent plus couramment, mettons que moi, l'anglais. Parce que où je reste, au Québec, dans le secteur où je suis, il n'y a pas grand personne qui parle en anglais. Mais je ne le parle pas, je les connais pas. Fait que je parle souvent à des gens qui parlent juste en français, puis. Ben, c'est correct comme ça, mais j'aimerais ça pouvoir parler en anglais avec d'autres mondes. Comme apprendre d'autres cultures, ça me dérange même pas. Ça fait plaisir. And in the beginning of the video, I just explained how this game compared to Diablo 3 with the expansion. That game is really a nice try of Microsoft to compete with Diablo 3. So yeah, maybe Diablo 3 is better in the details and the story and the animations, all the things are similar, but yeah, Diablo 3 just won the game, this fight. But compared to other video games like Dungeons and Dragons, the first Xbox, the Xbox Zero, I don't know how to call it. Give me my heart. Give me my car. Okay, cool. Some hearts. I need my hearts like in Zelda game. Je me fais tellement démolir. Hein. Okay. Donc voilà. I tried to finish that level. It's the first level, I think. Right here, and just do my best just to fight these goblins. And I don't know, is there some lutin in English? Can I see lutin, or is goblins are the same thing in that French? We call them lutin. Or is goblin is a lutin in French? I don't know. But in that game, that's what we fight. Some goblins. Goblins. Again, goblins. What is the monster again? Yeah, it's a goblin. What's that? Découvert d'une zone secrète. I discover a secret place. Yeah. So what? Point de passage. Checkpoint. Okay. Go, let's do that shit. Allez, allons faire cette merde. Ça n'aura pas mon cœur. Ça va sur mon cœur. Est-ce que tu bats toujours? I just talked to my wife and I asked, are you okay, my heart? And she said yes. And I say, are you always beating? You my heart. That's just, you should look at me with the strange eyes, like, what are you talking about? Are you crazy? I need my heart. Controller. Oh yeah, j'ai fini. That's it.
Yeah, and if you're new on my channel, it's the first time I try to speak English. Maybe in other old video, I speak in English, so maybe I don't know. But if I can join people to subscribe my channel, the more I can join people, the more I'm happy. Because I try to have 200 subscribers, and if I can do this in like 11 months, I think I left. They give me 1 year last month to bring 200 subscribers. So after that, maybe if I can do it in 1 year, I can live with YouTubing, like make videos and people comment. So yeah, that's my goal, but it's not my ultimate goal. It's like I do this now not for money, but I do this for fun. And yeah, have a great time with you guys. Donc ce que je dis, c'est YouTube m'a donné encore une année pour rassembler 200 abonnés. Donc 200 abonnés avec ça, si je réussis, ce qui va arriver, c'est que simplement, je vais pouvoir vivre de faire des vidéos. Mais bon. Bon, je vais acheter ça. Si je peux rejoindre le plus d'argent possible avec ma chaîne Alexandre Lessard, que je vais renommer Alexandre Lessard, le joueur discret. Ben, je vais être content parce que je vais avoir réussi un but de faire une chaîne YouTube assez populaire pour rejoindre les gens. Donc c'est pour ça que je parle en anglais dans mon vidéo. Donc, ok. So yeah, let's continue that game. I like it quite well. So what's that? I just got a new weapon. So yeah. And, the quiz question is: goblins are still the same thing as mutant French? Can you respond to me in the part below? So maybe if somebody can give me the answer. That can be cool, you know? That's so cool. Yeah, my weapons are much better. Uh-oh. So yeah. Diablo back in the days was for computer, and yeah, the game came out to the computer system, PC, and after they bring it to the PlayStation 1, the first PlayStation. Sony tried to have some games in 3D because they want to bring the new generation revolution, call that what you want. But they want the games to be in 3D because now they had in Japan they had the 3DO. Some people just got the system to bring to America, in North America. And yeah, I think Sony just raised the bar up. Oh yeah. That's only a demo. Wow.
Let's look at that. How much it costs? Oh. Okay. You want me to buy the game? It's like only a patch who costs $15 to play the game. So yeah, a good game. I think it was free but not. Donc voici ça. Donc le jeu, je pensais qu'il était gratuit. Mais en fait non, faut payer des extensions pour avoir les prochains niveaux. Est-ce que ça vaut le coup? Bah. Si vous pouvez trouver juste niveau 3, même l'original, moins cher sur le marché. Une copie, et tu prends le jeu puis tu le mets dans le Xbox 360, puis that's it, là. Tu l'installes, tu joues. Parce que là, ça, faut payer 15$. Donc, je suis sûr que je serais capable de trouver Diablo 3. Même l'original, puis peut-être même l'extension, là, Reapers of Souls. Donc, ça vaudrait plus la peine de chercher ce jeu-là sur le marché, genre des places usagées. Mais acheter Crimson Alliance, 15$. C'est ici, Crimson Sky, un chien disponible. Je vais une partie, je vais juste voir. Ouais, donc c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je vais juste voir si le jeu est vraiment encore là. Donc c'est ça. Si je voudrais pas payer pour ce jeu-là, 15$ là. Je pensais qu'il était gratuit pour ça. C'était une belle affaire du jeu. Même s'il plante tout le temps là pour me faire acheter les expansions. Je pense pas que c'est une bonne affaire. Donc c'était Alexandre Lessard, le gamer discret ou le joueur discret. Donc je vous ai à plus et abonnez-vous et partagez le plus possible. Donc je vous remercie pour ceux qui écoutent et qui partagent et qui mettent des j'aime. C'est vraiment apprécié. J'ai besoin de vous pour continuer de faire ça. Sinon, ben je vais devoir fermer la chaîne. Mais même à ça, je la fermerai pas. Je fais ça vraiment pour l'amour du gaming, pour la passion du jeu, pour le rétro gaming aussi. Donc partagez. Yeah, so that's it folks. For now. Just thank you all for just watch the video. And yeah, subscribe please and comment and share it the more as you can. So maybe I can add more subscribers and do that for a bigger audience with much better technology. And maybe I do this for nothing, but you know, just for you guys watching, I appreciate and I thank you really, really big. I'm very grateful. So yeah. All right. Don't go back without put a like and yeah. I'm quit. I'm out. Logging out. Ciao.